Puissance, feu, je veux rendre gloire à Dieu de ce qui m'a exaucé. Je suis Maman Sycomore de London. J'ai connu le Dieu de Papa Florian il n'y a pas longtemps, il y a 2 à 3 mois. Mais en si peu de temps, le Dieu de Papa Florian a déjà opéré les miracles dans ma vie et dans la vie de ma famille aussi. Donc, j'ai connu le Dieu de Papa Florian par mon frère que Dieu de Papa Florian a guéri. Pendant sa guérison a duré que 3 jours. Voilà. Il a guéri pendant 3 jours et j'y croyais pas. Donc, à force de regarder des témoignages, ça a fini par me convaincre. Et j'ai ma soeur aussi qui est en France, qui prie avec le chemin du ciel. Voilà. Mon témoignage, c'est que j'avais une grosse boule au ventre. Voilà. Suite à plusieurs césariennes que j'ai eues. Voilà. À mes accouchements. Donc, cette boule-là était visible et ça me gênait. Ça fait plus de 10 ans hein, que j'avais cette boule. Et quand j'ai reçu les révélations divines, j'ai fait mes purges pendant 3 jours. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi. Hein, à la première prise, le vendredi qui était mon dernier jour, mon mari était dans un bus et il s'est endormi. Et il a fait un songe. Dans le songe, il a vu que j'étais allée aux toilettes et la boule est tombée. Et la boule était tellement grosse qu'on était obligé de prendre un sac poubelle pour mettre la boule dedans pour la jeter. Voilà, franchement, je bénis le nom de Dieu pour cela. Je bénis le Dieu de Papa Florian parce que quand il est revenu, il m'a expliqué, il m'a dit que voilà, j'ai vu que tu as été guéri parce que j'ai fait un songe dans le bus et j'ai vu que ta boule est tombée et que voilà, j'ai vu que tu étais guéri. Je dis ok, donc j'ai appelé Papa Peggy, je le lui ai dit, j'ai expliqué le songe. Papa Peggy m'a dit c'était ma délivrance. Et moi, tout de suite, j'ai cru déjà. Dès l'instant que mon mari m'a dit, j'ai cru à ma guérison. J'ai pris tout de suite ma guérison. Donc, Papa Peggy m'a dit continue d'utiliser tes révélations divines. Donc, c'est ce que j'ai continué. Voilà, et puis visiblement, ma boule, elle a disparu, elle n'est plus là, je ne l'ai plus. C'était une grosse boule, et quand je regarde maintenant, je n'ai plus cette boule-là. Donc, Dieu m'a guéri. Le Seigneur Tout-Puissant qui s'est révélé à Papa Florian, donc, m'a guéri. J'ai été délivrée. Et par la suite, mon deuxième témoignage, j'ai une maladie de sang rare qui s'appelle la thalassémie. Comment ça s'appelle déjà? C'est une anémie sévère. Voilà. C'est une anémie sévère. Donc, je prends les médicaments de traitement de cette anémie-là, les tares différents et tout. Tout ce qui est fer. Les médecins me les ont prescrits, mais ça n'allait pas. Voilà. Et avec les purges, les révélations divines qui m'ont enlevé cette boule-là, m'ont aussi guéri. Parce que j'ai constaté que toutes les fatigues que j'avais, que cette maladie-là me causait, je n'avais plus ces fatigues-là depuis que j'ai commencé à prendre les révélations divines. Bien-aimés, je vous assure, accrochez-vous à ce Dieu-là. Ceux qui sont, accrochez-vous à ce Dieu-là, ce véritable Dieu de Papa Florian, qui est un Dieu qui ouvre toutes les portes. Tu es un Dieu, Jonah, Jonah, comme on le dit à Abidjan. Vraiment, accrochez-vous à ce Dieu-là. Moi, je n'ai pas vu un Dieu pareil. Nous-mêmes, mon mari et moi, nous sommes évangélistes, mais on a prié, on va à l'église et tout. Mais on n'avait pas vu ce Dieu pareil. C'est un véritable Dieu qui est vrai. Là où les gens sont en train de raconter que oui, j'ai pris des éléments, ça n'a pas marché, j'ai fait les purges, je suis fatiguée, je quitte le chemin du ciel. Bien-aimés, accrochez-vous, soyez persévérants. Tenez-vous sur la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui s'est incarné en son fils, Papa Florian, pour que vraiment tous ces miracles-là se produisent. Donc, accrochez-vous à ce Dieu-là. Voilà, tenez-vous sur la parole, lisez la parole et puis croyez, mettez votre foi. Moi, j'ai mis ma foi. Franchement, depuis, je me suis dit que je suis totalement guérie. Voilà, nous ici, on n'est pas encore totalement déconfinés. D'ici la rentrée, quand les frontières vont être bien ouvertes, j'irai à Paris pour refaire mes bilans. Mais au nom de Jésus, je sais que je suis déjà guérie parce que les symptômes de fatigue que j'avais en moi, tout ce que j'avais en moi, je n'ai plus ça depuis que la révélation divine est rentrée ici. Ça a aussi guéri le coco de mon mari. Voilà.
il n'a plus le coco. La première semaine où on a commencé le traitement, il a été guéri tout de suite. Il a déféqué plein de glaire et ses yeux ne sont plus rouges parce qu'au début, ses yeux étaient très rouges. Le coco a fait que ses yeux étaient très rouges. Maintenant, ses yeux ne sont plus rouges. Franchement, expérimentez ce Dieu-là. Là où les gens sont en train de dire c'est du trucage et tout, Papa Florian ne peut pas aller pour truquer des témoignages. Vous vous rendez compte? Les gens témoignent de l'Australie, de la Corée du Sud, de partout dans tout le monde entier, aux États-Unis. Nous-mêmes, nous sommes de la diaspora. Moi, je ne vis pas à Abidjan. Je vis ici en Europe. Donc, je ne connais pas Papa Florian. Je ne l'ai jamais vu, mon mari aussi non plus. C'est à distance, il a prié 30 secondes seulement. C'est une prière de 30 secondes aujourd'hui qui a opéré tout ce miracle. Suivez vos éléments, persévérez dans la prière. Voilà. Et ce Dieu-là, la façon dont il a fait pour moi, il va se souvenir de vous. Mon troisième témoignage, mon mari était allé au boulot. Il a vu que son entreprise a été fermée à sa grande surprise suite au Covid. Voilà, il était vraiment tourmenté. Vous connaissez les hommes, hein? Au début, quand les éléments sont arrivés dans cette maison, il avait commencé à douter et tout. Voilà, ils sont toujours les derniers à croire. Mais après, de ce que les révélations divines, les asperges qu'on a fait dans la maison, vraiment, a retourné toute la maison. Lui-même, il a vu. Voilà, le Dieu de Papa Florian nous a montré tous nos ennemis. C'est un Dieu qui délivre les sorciers. C'est un Dieu qui te montre même qui est contre toi. Mais moi, je dis c'est bien parce que ça nous a permis aussi de savoir un peu où on met les pieds. Amen. Donc, on demeure dans la prière. On a demeuré dans la prière. On continue de prendre nos éléments et on suit toujours ce Dieu-là. On prie avec le chemin du ciel. Vraiment, Dieu, il est puissant. Il est au chemin du ciel. Il est vivant. C'est un Dieu qui est vivant. Accrochez-vous, mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire, frères et sœurs du chemin du ciel, la diaspora, accrochez-vous à ce Dieu-là. Si cette boule que j'ai trimballée depuis 10 ans dans mon ventre, voilà, le Dieu de Papa Florian a pu le guérir. Si en espace de même pas 3-4 jours, il a trouvé du travail à mon mari qui venait juste de perdre son boulot, il peut vraiment le faire pour vous. Parce que quand mon mari est parti, je vous assure, quand il a vu que son entreprise a été fermée, tout s'est écroulé autour de lui. Quand il est venu, j'ai fait une offrande. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais appeler Papa Peggy et je vais faire une offrande. Papa Florian va prier pour toi. Bien-aimé, Papa Florian n'a même pas prié pour lui. Il a juste été programmé. Avant même que Papa Florian ait prié pour lui, j'ai fait l'offrande aujourd'hui. Le lendemain, c'est un collègue qui l'a appelé pour dire, ah, il a quelqu'un qui a une entreprise qui veut le voir, qui veut voir mon mari. Et mon mari est parti avec tous ses documents et tout. Arrivé là-bas, il a été embauché sur place. Voilà. Donc, quand il est arrivé ici à la maison, ça a été la joie. Oh, ton Dieu de Papa Florian, là, il est comme ça. Il est comme ça. Mais ce n'est pas possible. Moi qui croyais que j'allais attendre, je dis non, c'est comme ça que le Dieu de Papa, il opère. Donc, il était tout content. Vraiment, je voulais dire merci. J'ai utilisé les éléments. J'en ai donné aussi à ma fille. Bon, le lait, elle ne le supporte pas parce qu'elle-même, là, elle ne buvait pas du lait. Elle n'a jamais bu le lait, donc elle ne buvait pas du lait et elle a choisi le sang de Jésus. Alors, le sang de Jésus qu'elle a bu a commencé à nettoyer tout dans sa vie, ses fréquentations, ses amis, vraiment ses amis bizarres, tout. Et puis, le sang de Jésus a fait qu'elle est devenue une fille bien sympa, vraiment, c'est en train de tout faire, tout arranger dans notre vie. Depuis que ces éléments-là sont arrivés dans ma maison, je bénis le Dieu de Papa Florian pour tout cela. Je bénis, oh, le Dieu de Papa Florian. Il est tout puissant. Il est vivant. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen.